tout journalisme là. Ça qui parle, ça qui écrit, ça qui a lu. Ce silence. Ça qui télévisé. Moi salue tout peuple haïtien. Moi salue tout militant. Particulièrement si là il y a des gens qui tombent dans la bataille. Et nous tous nous connaissons, nous perdons un pile militant. Nous perdons un pile partisan dans quatre batailles. Je ne suis pas capable de saluer tout de façon spéciale. Prisonniers politiques, parce que jusqu'à date, nous avons des gens en prison. Nous avons tellement mis des gens en prison pour nous. Et jusqu'à présent, pour nous parler là, des gens qui ont coupé dans la prison. Nous ne sommes pas capables de saluer tout. Ensemble, les gens qui sont déplacés, qui quittent les cailles, qui quittent les quartiers et qui sont dans la rue, qui ont dormi dans la plage, qui ont dormi sous la place publique, qui ont dormi à la belle étoile. Nous savons qu'on a quitté les petits jobs à l'école, il y a eu des moments extrêmement difficiles. Nous savons. Comme j'ai annoncé dans l'invitation à la presse, là, nous avons dit qu'il est important pour nous aborder ensemble la question du canal qui a construit sur le rivière Massacre. Le canal, ça a son occasion pour nous saisir parce qu'il n'y a pas eu élan patriotisme. Élan, ça, nous devons gérer et contrôler l'émotion. Une façon pour être capable de travailler pour relancer la production nationale. Et pour faire ça, nous avons besoin d'un État civil, nous avons besoin d'un État responsable. Et dans ce sens, nous avons constaté pour voir qu'il a, il n'a pas fait rien pour encourager la production nationale. Pour voir ça, il y a des paroles, une parole. Devant la tribune des Nations Unies, ou bien pour répéter ça tout à l'heure, et dans les faits, sont l'autre bagaille. Le budget qui a adopté Manu Militari, parce que nous ne connaissons pas le Parlement, pas les institutions dans le pays, ils ont adopté un budget pour contre, mais nous parlons d'un bout qui allait dans la question de construction du canal dans le pays. Et comme dit le peuple haïtien, il est important pour organiser davantage. Solidarité, ça a été joué dans la question du canal là, il faut que nous kembel pour nous travailler ensemble, pour nous gagner un pouvoir responsable et qui permettre nous travailler ensemble, nous faire une synergie. Et ma lance un message spécial par l'association paysanne, organisation, pour nous dire saisis le moment ça, pour nous mettre ensemble, pour nous capables de continuer à faire pression sur l'État central là, pour investir dans l'agriculture, investir dans la pêche, investir dans l'élevage, pour une autre fois encore Haïti retourner pays essentiellement agricole. Ça, c'est responsabilité PAN pour nous travailler ensemble. Et nous-mêmes, au niveau équipe politique, qui était la vie, Mopal n'a continué à porter support nous par le travail du canal. Nous avons un peu de monde qui a porté support d'une façon ou d'une autre, mais nous croyons que Mopal a continué à réfléchir pour permettre que le canal qui a construit ne soit pas fait seulement sur le massacre, mais nous avons un canal qui a l'air de tomber dans le sud. Canal qui allait dans la rivière, canal qui sortit dans la rivière froide, rivière, grande rivière des Nîmes, qui allait dans la plaine de Bakounoua, et en pile l'autre plaine de Nîmes, nous avons besoin d'un canal qui pour nous arroser. Et dans ce sens, nous devons saisir l'occasion pour nous continuer à avancer dans la solidarité qui est là. Nous ne pouvons pas épargner nous des petits mots. Sur l'ILCC. Effectivement, l'ILCC était invité. Il était invité pour nous parler du patrimoine, qui sont invitations normales. Parce que si l'ILCC a fait travailler, nous
qu'il y a un pile de monde dans le pays à Boutan. Il y a plus que 572 cartels Kazek. Il y a plus que 142 cartels magistrats. Il y a plus que 199 députés. Tandis plus que 30 premiers sénateurs. Et pas oublier tout, ensemble des cabinets ministériels, plus que 70 directeurs généraux, plus que 70 ambassadeurs, et plus que c'est des milliers de monde que l'ILCC est pour le donner, et l'élimino pour y aller parce qu'il faut respecter ce qui sont. Je dis à l'échange que vous avez gagné avec l'agent ILCC, parce que vous demandez pour me faire ça de façon discrétion. Mais en tant qu'homme d'État, en tant que leader responsable, moi je crois que je dois faire une explication sur le patrimoine PAM. Je me dis, peuple haïtien, le patrimoine PAM n'est pas augmenté. Moi, j'ai commencé à travailler dans le pays, de très jeune. En 1999, je suis entré dans l'administration générale des douanes comme inspecteur. Et entre-temps, j'ai une activité PAM informelle en dans pays, particulièrement dans le département de l'État. Ça veut dire que je travaille longtemps. Et avant, moi, à l'abrigé deuxième mandat, je fais une déclaration pour le patrimoine. Et dans la déclaration, ça, c'est bien que je gagne avant, que je m'achète avant qu'il y ait une déclaration. Ça. Et je dis, nous connaissons un débat sur la question. Fin mandat. Jovenel petit mandat pas nous fini 2020. Il coupe tout bagaille, il met une dehors dans le Parlement. Mais il y a des autres camarades qui ont saisi la justice, nous ont dit nous-mêmes mandat nous constitutionnellement. Et suivant certificat CPA de Banou, petit mandat nous a fini 2022. Et c'est comme ça le mandat nous fini 2022. Nous fait une déclaration patrimoine qui est une déclaration sortie. Dans la déclaration, ça, les amis qui l'a eu, si vous permettez, moi, je vais faire ça rapidement parce que je vais arrêter maintenant. Ça, c'est une déclaration d'entrée. Le fait. Et 2015 et 2016, je suis arrivé dans le Sénat et j'ai écrit au tribunal Miagouane pour me dire pour considérer la déclaration ça comme une déclaration d'entrée. Ça, c'est une déclaration sortie. La différence qui est dans les déclarations ça, c'est que déclaration ça m'y plus bien là. Ça veut dire avant d'entrer dans le Parlement, déclaration ça m'y moins bien là. Parce qu'il y a des biens qui m'ont liquidé, je ne vais pas y encore. Pour me permettre de bien comprendre ça, je dis, je vais vous donner un rapport rapide. Bien sûr, bien que vous gagnez. Moi, j'ai un réseau à nous. Papa, c'est pour papa, sous maison héritage, sous maison familiale. C'est pas pour moi, mais c'est moins comme tout le papa m'a droit dans la maison. C'est-à-dire, je ne vais pas dépenser un boule pour rien et il n'a pas de moins. C'est-à-dire, si vous considérez comme un bien qui m'a acheté pendant l'MD sénateur, il n'est pas aimé. Bien, un terrain qui m'a acheté à nous. Environ un chaos de terre. Et les sailles ou avant cher, c'est entre 200 000 gouttes de chaos de terre. Ça veut dire qu'après on va aller pour bien. Et je l'ai acheté en 2012. Et ça me retourner dans le Sénat. Il y a un autre morceau de 1000 hectares que j'ai acheté en 2012. Et ça me retourner dans le Sénat. Il y a un terrain que j'ai gagné, que j'ai acheté en 2014. Un petit hectare en forêt qui existe. Laissez-moi m'acheter pour votre côté dans ce cas. Moi, j'ai une maison qui est construite à Grécy.
et m'acheter terrain ça en 2001. Ni pour ma première madame, ni deuxième madame. Et depuis là, j'ai commencé la construction. Et les salles coûtaient 75 000 euros pour m'acheter terrain ça. Je vous dis à pas pour ça, car d'accord ça. Moi, j'ai un terrain que m'a acheté fait mal. M'a acheté en 2006. Et son terrain, je vous dis à ce m'a venu. Il a vendu pour 200 000 dollars américains, même il a acheté pour 390 000 dollars. C'est en 2006, mais ça peut être aussi la vie. Il y a un terrain au Houk, des petites rivières dans le département, et que moi, c'est fermier de l'État sous lui, 22 à 23 avril 2009, mais ça peut être retourné comme ça. Fermier de l'État, ça veut dire pas terminé, c'est peut-être l'État qui est. Je vais payer des GIM et qui est là. Bien, il y a un terrain qui est bien précis. Moi, c'est fermier de l'État. C'est janvier 2017. Je vais acheter, c'était l'État, environ 4 à 5 hectares. Il y a un bagage qui fait parler en pile de l'État. Et ça m'a dit là, tout le papier là. Mais ça, c'est une terre. Ça a été. Papier de papa m'en là, t'es fait matin là, terre et Grecia il a tout là. Mais il y a un bagaille qui voulait attirer l'attention. Parce que c'est presque fini. À côté des activités informelles que m'y a, forme dis-nous. Majorité qui venait, c'est-à-dire tout corps qui m'a rentré plus, qui sorti dans l'État. Et ça fait venir avec ce chèque, ça, c'est un pile à dingue. Ça veut dire que provenance du corps moins gagné, il passe de l'autre côté qui est dans l'État. Je suis dans le trafic de drogue, je suis dans le kidnapping, je suis dans le vol, parce que je ne pas jamais gérer l'administration, je ne pas jamais gérer pour l'État, je ne pour l'État. Ça veut dire, je n'ai pas de compte pour moi. Et il y a une chose que je voulais nous saisir. Et vous comprenez? Parce que il y a un peu de monde qui n'a pas saisi de ça. Ça, c'est les bons BRH. C'est les bons BRH. Bon, ça, il y a eu pour 90 jours. Même 90 jours. Ça veut dire environ 3 mois. 3 mois, 12 jours. Et après 3 mois, papier ça n'a pas valable, rien dit. Et pour yon prendre comme ça, il faut que c'est sous compte. Pour yon prendre. Et tout comme qui sous compte, moi, j'en me dis là, c'est l'échec rose qui sortit dans l'État. Et la banque n'a pas d'accord pour sortir avec mon sac propre pour venir acheter bon bien acheter. La balle sous contour, la débité contour, la crédité BRH. Et les bons arrivés en maturité, ça veut dire les bons expirés. Tant pour bon ça, nous avons acheté le 29 février 2016, le fini le 35e mois 2016. Ça veut dire, bon, ça va pas là-bas, pour retourner comme la sous. Et mettre à faire n'importe déclaration, pas besoin de dire. S'il dévale, s'il n'a pas eu la maturité, soit pour une déclaration. Ça veut dire, là, on finit de mettre comme ça. Ou carré prend comme ça encore au fond de l'autre monde. Et c'est ça que je fais. Ça veut dire, en 6e mois, en 5e mois, arrivé à expiration. En 6e mois, moi prends même comme ça, moi acheté pour l'autre monde. Ça veut dire que c'est comme le débat moyen, ce n'est pas des bons achetés ensemble, c'est comme le débat moyen. Et je vais acheter un dernier bon, c'est en 2017, et pour 3 mois. Et bon, ça, 2017, là, l'expire en même 2017. Ça veut dire que si je fais une déclaration patrimoine, mon qui compte ça, les finances, pour ne pas faire déclaration patrimoine, parce que l'expire, il n'est pas valable encore, pour ne pas les bons, encore, pour ne pas réclamer comme ça. Non, mais BRH parce qu'elle retourne comme la sous. Et comme la PAC a l'autre provenance,
que propre qui fait et que banque d'accord que comme ça c'est pour lui. Parce que dès que vous venez avec dans la banque avec un propre, pour pas qu'à justifier pour vous, la banque n'a pas comme la même. Alors que tout propre va mieux, il est sorti directement dans le ministère des Finances qui est payé en tant que sénateur. Et c'est là où je vais tout. Ça veut dire, quand je parle là, en thème, pendant mon mandat, je n'ai pas acheté aucun nouveau bien. Pour tout, aucun nouveau bien. Particulièrement pour Métronome. Parce que Métronome déclare la guerre, son concurrent politique. Et tout le monde qui a sur Métronome, qui a écrit sur moi, il n'y a pas jamais écrit pour bagaille qui allait dans le cadre de déclaration qui nous fait ou bien intervention qui nous fait. Par exemple, le plus gros parti, le plus gros mouvement politique, dans le moment lancé à Grand Croix, pour des milliers de monde là, pour pas que nous sommes sortis un peu pour dire, pour le gros mouvement politique, le sénateur Kassidi là, lancé. Tout ça l'a dit, c'est le bagage qui compte, le sénateur Kassidi. Il y a une invitation, je jugement ben moi comme témoin. Je n'ai pas fait enquête sur moi. Moi, je la presse comprendre ça. Je ne peux pas gérer pour l'État. Je ne peux pas gagner responsabilité. Je ne peux pas faire enquête sur moi. Je ne peux pas n'importe qui comme témoin. Mais Métronome, c'est comme si c'est lui qui a fait enquête là. Si le jugement est posé pour une question Métronome dans ta connelle, c'est comme si le Métronome qui a fait enquête sur moi. Alors que l'enquête n'est pas faite sur moi, c'est un témoin qui a dit mieux. Et d'ailleurs, ça a fait là, pour tout le monde, d'accord, sourire comme témoin, poser des questions. Est-ce que y a des gens qui ont dans le dossier qui dit que moi j'ai une implication là-dedans? Pour pas de personne qui cite des noms. Et vous entendez, il a fait enquête passée par là, l'ILCC, l'IPREF, alors qu'il y a produit un rapport sur moi déjà sur Jovenel. Il a dit qu'il y a un compte avec un monde qui a fait toute transaction sur le continent. Et contre ça, c'est un compte de campagne, il y a seulement 5000 gouttes qui comptent dans les mouvements. Et 5000 gouttes là, fini, ou bien j'en pas j'en bien pour qu'il y ait des profs. Mais c'est le rapport qui a été joué sur moi. Et je dis à Yodi, il y a l'autre enquête sur moi. Il va nous dénoncer. C'est ça que nous comprenons. Si pendant ce jour, il fait toute enquête, il fait toute démarche, il fait tout ce qu'on est contre moi. Ils arrêtent, ils tirent sur moi, ils attaquent, ils attaquent tous les partisans. Et je dis encore, Métronome et Eco, ils décident pour faire une persécution politique et attaquer le caractère. Moi, je dis ça trop. La, on partit dans la presse, c'est ça le débat. Par exemple, Zamim, Frem, qui me dit en pile, Lenvin, Bobsé. Chaque matin, messieurs, dans le grand boulevard, le mouvement contre Jovenel, c'est moi-même. Quel que soit ce qui passe dans le pays, c'est la tête cassée. Alors que même tout le monde connaît que je mène une lutte pacifique. Et c'est pour ça que je bataille. Il n'y a pas de gens avec 11 âmes nous-mêmes, il n'y a pas de gens qui m'ont fait 11 âmes, il n'y a pas de gens qui m'ont prêché violence dans la déclaration, mais les gens ici, ils ont besoin de pareil, ils ont besoin de monde qui les mette dans le même pareil. Moi, je me dis que je suis le président de la commission finance. Moi, je connais le pays bien. Moi, je connais le système économique bien. Moi, je connais le système financier bien. Ça veut dire que chaque année, il y a des milliards de gouttes qui dépensent. Tout dossier là, dans le ministère, il y a des milliards de gouttes qui dépensent. VGI là. Il y a des milliards de gouttes qui dépensent. Banque là. Ah, mais n'est-ce que vous n'avez pas décidé de mener enquête sur ça, c'est sous moi. Ça veut dire que c'est moi seulement dans le pays qui a le problème. Comment ça vous comprenez là? Ça veut dire que la bataille que nous avons menée, elle a gagné une importance. Et soit mener une bataille que personne ne pas en face, ou pas en concurrent, pas en adversaire qu'on est bataille, pas en résultat. Ah, mais bataille pas non, bataille peuple haïtien. Moi, je souhaitais que la justice institutionnelle, vous faites travailler même dans les Brésil. Toutes les institutions, je dis à ce seul monde qui a géré, c'est celle Ariel qui a bord. Moi, je souhaitais que l'institution fait travailler
si nous avons un dossier pour nous nuire politiquement, nous attaquons, nous faisons trop de temps. Parce que nous avons fait activité de l'autre côté, et puis pendant que nous avons donné l'invitation. Après que j'ai fait tout le bagage, je dis à mes amis, je suis un mouvement politique dans le pays qui est là avec mon père pour orienter les jeunes, pour prendre responsabilité. Parce que dans le pays, il y a deux catégories de gens. Il y a un groupe de gens qui n'ont pas de qui n'ont pas de qui pas capable, et il y a un groupe de gens qui décident dans le pays. Avec beaucoup de gens, nous voulons faire le pays. Mais si on parle de bon temps, ça veut dire bonhomme chita et puis c'est invitation, invitation. Comme si c'est celle autour de moi, et c'est ça. Alors que je dis à pays a besoin de réformes. On réforme et nous-mêmes, nous disons ça, automatiquement, on ne peut pas pouvoir faire réforme pour nous permettre que l'institution joue un rôle sans persécution politique. Sans persécution politique. Ça veut dire que l'ILCC et les boîtes de presque converti en boîte de persécution. Nous voyons ça a été fait, oui. Nous voyons ça a été fait en pile d'autres et monde. Malgré différents que nous dégageons, nous avons fait des gens et des dossiers qui ont ces journées-là, pas de gens qui ont été. Ça veut dire que je voulais que l'institution joue un rôle et moi-même, je toujours obéi, je toujours répondu à la justice. Mais celle-là, je demande au peuple haïtien d'être vigilant ensemble avec moi parce que le complot est honnête et son complot qui commençait longtemps et bien en pile de monde en avant comme ça. Il y a des gens qui, soi-disant, ont bataillé pour le peuple, qui nous ont beaucoup de nous, qui n'ont pas pouvoir. Et il y a des gens qui n'ont pas pouvoir ça, qui n'ont pas pouvoir. C'est des gens qui sont jaloux par rapport à nous, si tout ça ne se fait 22 août, qui se passe pas. Tout le monde est content, parce qu'il va penser qu'il est dans le fond de la guerre. Ça veut dire, on croit que ça a fini, sous question, ça ne va pas faire de nos dossiers. Parce que c'est normal de carrer n'importe qui là comme témoin, de carrer n'importe qui là pour faire une déclaration à tout le monde, pour une explication sur lui. C'est bon, mais c'est ça que j'ai été pour nous comprendre.